C'est un problème qui a surpris l'autorité locale. Parce que le problème là, c'est pas si personne n'a informé le quartier ni le secteur. Ils ont traité le problème comme ça. C'est dans, après une organisation ici, hein, paraîtrait un mariage hein, qui ne s'effectue même pas ici, qui doit se faire à Boufa. Et ils ont pris, ils disent, tout, comme tout le monde ne peut pas aller là-bas, on va chercher à organiser pour nous ici, on va organiser Farignac et des trucs comme ça. Ils l'ont fait de leur propre chef. Ils n'ont demandé ni le secteur, ni le quartier. Nous ne sommes pas informés. Donc, dans leur organisation là, il y a des gens nouveaux qui sont venus. Et on leur a demandé qu'il y a quelqu'un qui peut faire la magie. Est-ce qu'on peut le laisser aussi opérer? Donc, d'après ceux qui ont organisé, ils ont dit que ce n'est pas ça. Et ils organisent pour un mariage. Ils ne veulent pas de la magie dans leur affaire. C'est ça. Mais comme les gens étaient nombreux là-bas, ils sont arrivés à les convaincre, à leur dire, laissez les jeux opérer. Et l'intéressé a commencé à opérer. Je ne sais pas, il fait des jeux là, monter l'œil là, et couper aussi là, des trucs comme ça. Il faisait ça, et mangeait le sable. Et il y a un jeune qui a parlé là-bas, voilà, et dit, il manque. Quand il a entendu, on le huait quoi. On huait le féticheur. Et il dit, celui qui a fait ça, s'il recommence, ça va se passer mal. Mais je crois que les enfants ne l'ont pas écouté. Alors c'est comme ça qu'il a fait son travail aussi. Et puis ça s'est... Il a fait quel travail? Il l'a fait devant eux là-bas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un mouchoir blanc ou quoi là. Il l'a expliqué aux autres là. Parce que moi je ne sais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont senti, il y a un là-bas d'abord qui a senti, à qui il a parlé, il a senti qu'il avait perdu la force hein, quand il est allé. On n'a pas compris. Hein? Non, laisse-le parler. Il a perdu quoi en fait? Moi je le dis comme ça. Là, vous m'avez compris. Moi, je ne dis rien d'autre. J'ai dit, détaillé. J'ai dit qu'il a perdu la force. Sexuelle. Bon, comme vous le voulez. Il a perdu le bijou le plus précieux alors. Il a perdu le courant de la famille. C'est vous qui le savez. Maintenant, c'est ce que les enfants ont dit. Le premier, quand il est sorti, il l'a dit. Il a dit, moi je suis victime, hein. Il dit parce que je ne ressens plus le poids, c'est-à-dire ça ne se soulève plus de lui-même. Et puis c'est rapéti. Hein. La chose là, c'est rapéti et puis ça ne se manifeste pas. Voilà. Donc à partir de là-bas, le type, je crois qu'il a essayé de faire sa simagrie là. Il paraît très fou. À l'instant même, le type a senti quelque chose. Hein? Mais après, quand il est parti, quelques heures plus tard, ça a recommencé. Donc les gens là, ils se sont rendus chez lui, mais ils étaient nombreux là-bas. Le type a dit qu'il ne pouvait plus rien faire. Est-ce que vous confirmez l'information? Est-ce que vous confirmez réellement l'information? Est-ce que vous avez senti, vous avez vu? C'est les enfants qui ont vécu, qui ont parlé comme ça. Et quelle est la situation des enfants actuellement? La situation des enfants est intacte. Ça n'a pas bougé d'abord, ça, rien n'a évolué. Et ils sont où? Mais ce que, ils sont là. Ils sont quelque part. Enfants, ils sont quelque part. Ils sont. Ouais, je les ai réunis. On était même dehors là-bas. Un nombre de combien? Moi, j'ai vu 9 personnes, 9 à 10. Nous avons appris qu'il y a des pères de famille. Est-ce que vous confirmez cette information? Moi, je n'ai pas vu ça. Peut-être ils sont restés dans l'ombre. Hein? Ils ne veulent pas se faire voir, peut-être. Dites-nous. Mais moi, ce que j'ai vu, hein, c'est les jeux. Dites-nous ce que vous avez vu. Le sexe n'y est pas. Le sexe, moi, je n'ai pas touché à ça. Hein. Bon, mais attends, moi, je n'ai pas touché à ça. Est-ce que vous avez vu? C'est eux qui ont dit ça. Ils disent qu'ils ne fonctionnent pas sexuellement, que ça ne marche pas. C'est tout. Le lit qui est là, mais ça ne fonctionne pas. Ouais, moi, je ne suis pas un docteur pour
voir ça pour toucher à ça. Mais là, qu'est-ce que le quartier a fait suite à tout ça? À ça, on m'a dit que c'est eux-mêmes qui ont transporté l'intéressé à la gendarmerie. Ah, ils ont arrêté le... C'est eux qui ont arrêté. Ils ont pris deux personnes, oui. Parce qu'ils ont collaboré ensemble pendant deux jours, sans que l'autorité ne soit informée de rien. Maintenant, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, eux-mêmes, ils ont amené l'intéressé à la gendarmerie. C'est à partir de la gendarmerie, maintenant, que nous avons été par la radio de Maï. Moi, c'est de Maï qui m'a pris. C'est Aboubakar Kapi Kamara, chef de quartier Kenyan. Le féticheur, il nous a parlé tout à l'heure, là, quand je suis allé le voir. Il a dit que son maître demande, que son maître a dit, hein, qu'ils vont trouver la solution, qu'eux, ils vont trouver la solution. Donc, les parents aussi ont téléphoné. Il semblerait que ce maître-là se trouve à la casse, ainsi de suite. Donc, il est prêt. Mais ils se sont entendus sur quelque chose, que les enfants vont venir, hein, ils vont regrouper les enfants dans un lieu discret, hein, pour que l'intéressé vienne. Hein? Mais de laisser partir tout le monde, que les intéressés, qu'on les regroupe quelque part, discrètement, lui il va venir, en ce moment ils vont faire le travail pour que les enfants se retrouvent. Les enfants ont quel âge selon vous? Il y en a qui ont 18 ans, il y en a qui ont 20 ans, 18 ans, 20 ans, des trucs comme ça. Donc. Merci pour C'est ce que... Nous remarquons le quartier là, il veut se révolter ou qu'est-ce qui les a poussé à venir ici? Mais le quartier, qui va se révolter? Se révolter contre qui? Qui a organisé? Qui a organisé? Nous ignorons les organisateurs et ce sont eux-mêmes, il y en a parmi eux qui sont victimes. Ceux qui ont organisé la danse farignale. Hein? Par exemple, le nommé Kamara, hein? Bangali Kamara. Hein?